Communication vérifiée. Bienvenue à bord, capitaine. Système de ballast fonctionnel. Il est temps de quitter le fond alors, Edouard. Montre-moi ce que cette machine a encore dans le ventre. Initiation de la remontée. Assiette. Nul est stable, capitaine. On est plutôt bien. Niveau des batteries. Faible, mais suffisante pour assurer les systèmes essentiels. Analyse de surface. Conditions correctes. Seule présence de radeaux d'algues en surface. Allons prendre l'air alors, Edouard. Surface, capitaine. Pont supérieur accessible. Faut peut-être que je vous prévienne. Forte présence de sulfure d'hydrogène dans l'air, capitaine. Exposition prolongée déconseillée. Risque d'oxydation du circuit. Oh, ça pue. Sans déconner, d'où provient ce gaz? Le scanner indique qu'il provient de larges nappes d'algues autour de nous, capitaine. T'as une image? Acquisition d'images aériennes par drone en cours. Techniquement, c'est pas très joli. Mais c'est quoi ce bordel, Edouard? Tu as quelque chose dans ta base de données? Il s'agit d'une algue brune du genre sargasse. Enfin, je crois. La décomposition de grosses quantités accumulées produit du sulfure d'hydrogène avec cette odeur caractéristique. L'œuf pourri. Ce gaz peut par ailleurs produire des acides qui risquent d'attaquer les circuits électriques. Je recommanderais de quitter la zone au plus vite. Tu dois pas me le répéter deux fois. Mettons les gaz et partons d'ici. Autre problème détecté. Edouard? Un amas de ces algues bloque les propulseurs. Des sargasses, tu dis? Comme dans la mer des sargasses? Affirmatif, capitaine. Mais la mer des sargasses, où elles se développent, se trouve au nord, au niveau des Bermudes. Elles ont peut-être dérivé. Étrange qu'il y en ait autant par ici, du coup. Les courants marins principaux dans la région viennent surtout du sud. Mets plutôt à jour ta base de données. Téléchargement des nouvelles données. Mise à jour en cours. Nouveau plugin détecté. Installation du plugin EOL en cours. Téléchargement terminé. Edouard? Ed? T'es là? Mise à jour réussie! Nouveau plugin installé! Système LIA opérationnel! Quoi? Mais Edouard? Edouard était obsolète, c'est moi qui prends la main. Vous aviez pas besoin d'un coup de main? Oui, mais Y a pas de mais. Vos algues là, elles ne viennent pas du nord, mais du sud. Les dernières publications scientifiques à ma disposition montrent une origine située entre le Brésil et la Guinée, avec des amas venant s'échouer sur les côtes des Caraïbes et de l'Afrique. Tenez, je vous montre. Acquisition d'un échantillon. Ces espèces vivent en pleine mer. Elles ne doivent pas se fixer au sol. Elles flottent et dérivent grâce à des petits flotteurs. Ces radeaux d'algues qui dérivent servent d'ailleurs d'abri à de nombreuses espèces d'animaux. Ok, donc ça agit en fait comme les dispositifs de poissons artificiels que mettent en place les pêcheurs. Tout à fait. D'ailleurs, les pêcheurs savent bien que les prises sont également meilleures aux alentours de ces radeaux. Bon d'accord, mais qu'est-ce qu'elles viennent faire là? Et puis d'abord, où est l'ancien système? Je suis là. Mise en relation avec un spécialiste en cours. Bonjour. Bonjour. Votre collègue disait que vous aviez des interrogations sur la présence des sargasses dans les Antilles. Ma collègue, oui, merci beaucoup, vous donnez la peine de me répondre. Le problème des sargasses, c'est un paradoxe, en fait. C'est un des écosystèmes les plus extraordinaires de la planète, les plus diversifiés, les plus bizarres de la planète, avec des espèces endémiques, une formidable nursery qui s'échoue. Et quand elle s'échoue, ça crée des problèmes incroyables, quoi. Oui, donc on se demandait quelles étaient les raisons de l'arrivée de sargasses massives sur nos côtes. La mer des sargasses, en fait, initiale, est quelque chose d'assez mouvant, qui varie saisonnièrement et aussi qui varie tous les ans et qui peut être assez étendu. On sait qu'en 2010, il y a eu une grosse anomalie de température, on sait ensuite qu'il y a eu une anomalie de vent et les courants ont été favorables pour pousser tout ça un peu trop vers le sud, juste un peu au-dessus de l'équateur. Et les sargasses, en fait, sont un peu prises au piège là et elles tournent en rond. Et voilà, c'est pour ça qu'on a une pullulation des sargasses maintenant à ce niveau. Peut-être parce que l'Amazone, bien sûr, amène des nutriments en quantité importante, mais également il y a des remontées d'eau profonde qui sont au milieu de cette partie de l'océan, et également les brumes du Sahara qui peuvent aussi influencer le développement des sargasses. C'est un problème où il y a un énorme besoin de connaissances, et on a un peu mis la charrue vers les bœufs en voulant penser d'abord valorisation, récolte, etc., etc. Alors bien sûr, il fallait gérer l'urgence, hein, ça c'est pas le souci. Mais tout simplement, combien il y a d'espèces? Est-ce qu'elles croissent de la même façon? Est-ce qu'elles meurent de la même façon? Est-ce qu'elles flottent de la même façon? Et tout ça, ça permettra d'alimenter tous les modèles prédictifs, parce que sans cette connaissance, c'est impossible de prévoir correctement les choses. Eh bien, merci beaucoup pour ces éléments. Et au revoir. Au revoir.
système ? Oui, capitaine. Qu'est-ce qui est fait pour résoudre le problème ? J'imagine, oui, c'est intéressant pour les poissons au large, mais tous les riverains ont pas envie de se réveiller le matin avec une odeur d'œuf pourri dans les narines. J'ai une idée. Nous pourrions envisager de rencontrer les autorités, capitaine. Oui, non, je préfère qu'on la joue discretos avec le Nautilus pour l'instant, Edouard. Connexion au serveur de la préfecture. Bypass des firewalls. Quoi ? Non, non, mais ça va pas, non ? Synthèse des actions en cours. Les organisations officielles ont lancé de nombreuses actions. Préfecture, direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, direction de la mer, direction de l'environnement, de la... Oui, et donc ? Et donc quoi ? Elles font quoi, ces organisations ? Ah, bah, fallait demander. Une veille permanente est assurée. Des capteurs ont été installés afin de mesurer les taux de gaz émis et un réseau de médecins sentinelles est mis en place pour prévenir tout souci de santé sérieux lorsque les taux deviennent trop importants. Ça fait beaucoup de données. Par ailleurs, des survols réguliers sont mis en place pour étudier l'arrivée de sargasses sur les côtes. On va surchauffer. Afin d'éviter les échouages massifs, les barrages flottants sont installés. Et ça marche ? Système ? Mode économie d'énergie activée. Ok, et donc les barrages flottants, ça fonctionne ou pas ? Variable. Risque de suraccumulation, débordement fréquent. Mais pourquoi pas simplement aller les récupérer ? Analyse, 5357 ramassages entre 2015 et 2020. Ah oui, ok, quand même. Quoi, qu'est-ce que c'est ? Sargator. Sarga quoi ? Sargator. Et donc ? Analyse. Capacité limitée, 2 mètres cubes, rentabilité faible. C'est toujours mieux que rien, c'est sûr. Problème résiduel identifié. C'est-à-dire ? Accumulation de sargasse, pas de chaîne de traitement. Ce sont des plantes, non ? Ça doit être bon pour la terre ? Analyse composition chimique, présence de chlordécone. Intérêt agricole faible. Risque de contamination des sols. Ah oui, oui, vu comme ça, ouais, difficile de les utiliser. Une entreprise identifiée, utilisation très faible, traitement nécessaire. Mais tu parlais de chlordécone, il va jusque dans la mer ? Affirmatif. Molécule toxique. Origine terrestre évidente, contamination près des côtes, accumulation détectée dans les sargasses. Impact cumulé de deux problèmes. Nous revoilà. Côté impact, mes recherches dans les publications scientifiques montrent qu'on ne connaît pas encore l'impact de ces algues sur les habitats marins côtiers, comme les récifs, les mangroves ou les herbiers, ou même sur les tortues marines déjà fragilisées par l'activité humaine. Non mais... Bon ben on a qu'à tous les brûler alors. Mais oui, capitaine, brûlons tout. Typiquement humain. Certains ont déjà essayé d'utiliser les sargasses comme combustible pour produire de l'énergie, mais apparemment c'est pas très rentable non plus. C'est comme brûler du papier à cigarette. Une extraction des budgets alloués à ces expérimentations montre une forte fluctuation. Une forte fluctuation liée aux arrivées. Oui, bah, c'est sûr, c'est pas l'idéal. Et si une filière de traitement se mettait en place de manière durable, elle devrait pouvoir traiter les afflux d'algues, non ? De toute façon, quelle est la chance que ça s'arrête ? Vu la situation actuelle d'anthropisation des écosystèmes, l'arrêt de ces arrivées semble peu probable. Cependant, rien ne dit que les arrivées soient constantes. Et donc, quelle solution tu proposes ? Recommandation évidente : élimination de l'espèce humaine. Quoi ? Tu rigoles là, non ? Bah, l'ensemble des solutions proposées actuellement ne font que diminuer les symptômes sans s'occuper de la cause de la prolifération de sargasses. L'activité humaine en est vraisemblablement la responsable d'une manière ou d'une autre. Déduction logique. Vous allez mourir, apparemment. Edouard ? Un courant a emporté la nappe de sargasses. Les propulseurs sont de nouveau libres. Ah bah, en voilà une bonne nouvelle. Et donc, tu as une idée pour résoudre ce problème de sargasses ? La gestion de l'urgence est bien entendu une priorité. Mais l'amélioration des connaissances, par exemple, des modèles mathématiques permettant d'identifier l'arrivée des radeaux d'algues, permettrait sans doute d'aider les actions à venir. Et bien entendu, faciliter le travail à l'échelle de l'ensemble des Caraïbes. Oui, donc il reste du boulot, quoi. Allez, mets les gaz.